jour des grimaces. C'est le jour qui commence à être aussi long que la nuit. Au cœur de l'automne, la nuit remporte peu à peu la victoire du temps sur le jour. Alors les hommes et les femmes quittent les travaux des champs et démarrent les travaux de la maison. On taille des lanternes dans des légumes à la peau dure qui protégeront les flammes contre le vent d'hiver. Dans des navets, des betteraves, aujourd'hui dans des citrouilles, on taille des visages grimaçants qui scintilleront dans la nuit, que l'on posera sur des fontaines ou devant les maisons qui accueillent les veillées. Le jour des grimaces. Le jour des premières veillées d'automne. Le jour des premières histoires que l'on se raconte. Des histoires où l'on a peur que la nuit gagne définitivement sur le jour. Alors ce sont des histoires de sorcières, des histoires de crapauds, de revenants, des histoires de fantômes, des histoires qui glacent le sang. Mais vous n'avez pas peur, bien sûr. Misère est une sorcière. C'est pas moi qui le dis, ce sont tous les gens du village. Elle n'a qu'une toute petite maison. Une maison si petite qu'elle n'a qu'une seule pièce. Et dans cette pièce, elle y vit, elle y dort, elle y mange, elle s'y lave, elle y fait tout. Sa table est un lit. Son lavabo, c'est sa douche aussi. Et Misère n'a presque rien à manger dans son jardin qui n'a jamais rien vu pousser. Elle n'a qu'une seule richesse, c'est un arbre, un poirier. Un poirier merveilleux qui lui offre une poire par jour à manger. C'est comme ça que Misère survit. Mais les gens du village se disent que une femme aussi vieille, aussi misérable, ne peut pas survivre en mangeant une poire par jour. Ah non, c'est impossible. La seule explication, c'est que Misère est une sorcière. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les gens du village. Le musicien céleste était là dans la clairière de la forêt, entouré de toutes les bêtes sauvages venues pour l'écouter. Mêlé aux hommes et aux femmes et aux enfants. Et au-dessus d'eux, caché derrière une branche sur un arbre, il y avait la sorcière. Bien à l'abri des regards pour ne pas qu'on la repère. Mais la sorcière s'est rendue compte qu'elle n'était pas toute seule. Il y avait sur un autre arbre, caché derrière une branche, la lune qui était descendue du ciel, elle aussi, pour écouter la musique du musicien céleste. Mais la voilà la bêtise que je vais bien pouvoir faire.
La sorcière s'est dit, si je prends la lune et que je la cache au monde, alors tout dans le ciel sera désorganisé. Les étoiles ne sauront plus où aller, le soleil ne courra plus après la lune, alors ne fera plus venir le jour, tout sera tourneboulé. C'est une fameuse bêtise que celle-ci. Alors la sorcière a rebondi sur sa branche et est arrivée sur la branche de la lune. Elle a pris la lune, l'a mis dans un sac, est remontée dans le ciel, sur la voûte de nuages. Elle a skié jusqu'à arriver à la haute montagne de cuivre. Là, elle a sorti sa clé, elle a ouvert les 9 portes de la mine de cuivre, elle a enfermé la lune dedans, elle a refermé les 9 portes, elle est rentrée chez elle, elle s'est cachée sous le lit. Voici la fameuse bêtise. Le sort jeté au monde qui me fait devenir la sorcière la plus méchante du monde entier. Je vais pouvoir patienter, je vais pouvoir dormir en attendant que le monde soit chamboulé par mon sort.